Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école? Tout ce que je dois apprendre pour élever mes enfants. En devenant une sorte de courroie de transmission. Il faut sans cesse rappeler ce qui relève de la tradition. On ne peut pas s'élever autrement. On peut pas grandir ou devenir grand. Qu'est-ce qu'il ne faut pas ignorer pour bien se conduire dans la vie? Que faut-il retenir en premier? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, s'écria le Christ sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est celui qui a peu, très peu, trop peu, presque rien, pas grand-chose, peu pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir. Celui qui a du mal à joindre les deux bouts. Il n'y arrive presque jamais. Toujours tiraillé entre la veille et le lendemain, le pauvre est condamné à vivre au jour le jour. Il a du mal à bien gérer le peu dont il dispose. Comment il en dispose? Toute la difficulté est là. Comment gérer l'infiniment petit? C'est quasiment ingérable. Toutes ces petites gens qui n'ont aucun avoir pour être, comment faut-il pour tenir le coup? Pour subsister, pour survivre, pour rester digne? La vie leur a peut-être appris à se contenter de peu, à lutter, à résister, à demeurer debout, les yeux rivés sur l'infiniment grand. Se contenter de peu est le seul et vrai nerf de la guerre. L'assise ou la cesse des pauvres, un art de vivre et de mourir. On peut alors se demander pourquoi. Grand Dieu, pourquoi le monde est-il divisé en deux parties inégales? D'un côté les plus nombreux qui ont très peu, et de l'autre les autres qui ont beaucoup trop. Je voudrais savoir pourquoi, moi. Qui distribue? Qui distribue les sorts? C'est Dieu? C'est le hasard? Ou c'est l'histoire? Il y a le proverbe. Contre mauvaise fortune, on a intérêt. On a intérêt à faire bon cœur. Un cœur là sur la main, avoir un cœur sur la main! Plutôt qu'un esprit qui fait l'esprit. Heureux les pauvres en esprit. Tous ceux qui se contentent de peu, le royaume des cieux est à eux. Et parce qu'ils ont le cœur pur, ils verront Dieu. Parce que figurez-vous, moi je ne verrai jamais pauvre ceux qui cherchent à devenir riches. Mais uniquement ceux qui font de leur misère un foyer de lumière. Un cœur qui déborde, une âme qui s'épanche et une main qu'on tend vers une autre main pour soutenir le poids de l'existence. Tous les plus généreux sont toujours ceux qui ont peu. Car qui ne possède rien, rien ne le possède. Seul l'être, est réel. L'avoir est toujours illusoire. Entre nous, cette idée de Dieu, cette idée de Dieu, ne coûte vraiment pas beaucoup. Presque rien. À vrai dire, je ne l'ai pas. Mais c'est la seule chose que je désire avoir. Et perdue.
Je n'ai jamais fait l'aumône. Bâtard!